Bonjour et bienvenue en Alsace. Nous sommes dans l'est de la France pour découvrir cette nouvelle voiture toute verte. Oui, verte. Alors, elle est verte, certes par sa couleur, mais verte aussi par son mode de propulsion. C'est une MG4 électrique, donc elle n'émet pas de gaz à l'échappement. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette voiture? C'est juste la version X-Power de la MG4. Le X-Power, comme vous pouvez le supposer, le X veut dire que c'est une version à traction intégrale. C'est la première du genre. En plus de cela, comme vous avez deux moteurs, 240 chevaux, 245 chevaux et 204 chevaux à l'avant, et ensemble, ils développent 435 bourricots. Et oui, et en plus de cela, mine de rien, nous sommes sur des performances dingues, puisque MG annonce un 0 à 100 en moins de 4 secondes grâce à ses 600 Nm de couple. C'est délirant. Alors, moi, je vais en prendre le volant dans les Vosges, sur les routes de montagne, et aussi la surprise du chef, on va la conduire sur circuit. Le plus intéressant, juste pour finir cette partie là, c'est que MG nous propose cette voiture à moins de 40 500 € hors bonus, c'est à dire avec le bonus on est à 35 500 € pour 435 chevaux et 600 Nm de couple et un 0 à 100 en moins de 4 secondes. Ça n'existe pas. Les concurrents en face, genre RS3, M2 et ces choses-là, on y est aux alentours de 80 000 €. C'est délirant. Donc ça, j'ai enfin pu essayer cette MG4 X-Power sur le fameux circuit du Géoparc. Alors le résultat, il est assez impressionnant, même si c'est clairement une GT. Cette MG4, là, cette petite chinoiserie, tire pas mal le pavé. Et les freins sont assez endurants, clairement, pour ce genre de véhicule-là. Et dans l'ensemble, la tenue de route est vraiment efficace, simple. Ça confirme les premières impressions que j'avais dans les routes des Vosges. C'est vraiment un engin simple, assez efficace. C'est plutôt un très bon boulot de la part de MG avec cette voiture qui n'est pas donc une hyper sportive, même si les performances sont vraiment impressionnante, surtout le 0 à 100. Non, c'est vraiment une voiture GT confortable. Confortable, on peut le dire quand même, par rapport à sa puissance. Et tout ça, vraiment, dans le silence. Et pour donc 40 500 €, je le répète, 40 500 € moins les 5 000 € du bonus, donc un peu plus de 35 000 €, vous avez une voiture qui est capable de tenir tête au démarrage à des supercars. C'est juste dingue. Sinon vous connaissez la suite, il vaut mieux nous lire sur la revue automobile, il y aura un peu plus de détails sur toutes les sensations de conduite, les prix, les fiches techniques et ces choses là. Allez, bientôt, ciao. Ferrari, MG, Lamborghini. Qui va gagner?